alaykoum. Soir khair. Bien, aujourd'hui, nous commençons notre deuxième journée du séminaire. Hier, nous avons eu une introduction méthodologique où des principes ont été énoncés quant à la manière dont la recherche moderne, la recherche historique moderne, se comporte vis-à-vis de textes et d'événements et de faits anciens. Voilà. Donc, hier, nous avons eu cette introduction méthodologique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on aura affaire à autre chose que de la méthodologie. Je dis l'impression parce que hier, on a eu une discussion et Madame Strumza se demandait s'il fallait passer aux minorités ou non. J'avais suggéré qu'elle suive son plan initial et nous allons voir. Aujourd'hui, nous avons déjà le texte qui devrait être discuté, qui devrait être l'objet de notre discussion. Donc, sans perdre de temps, je demande à Madame de commencer sa présentation. Merci beaucoup. Sabah al-khair al-jami'a. Bonjour. Good morning. And now that we are back into our trilingual circle, I'd like to first say a few words in English and then read the lecture in French. So to make sure that all three languages are acceptable. So as Professor Filali Ansari said, I'll stick to the previous plan, which means that today we will discuss theology, Almohad theology, tomorrow philosophy in the Almohad context, and leave the minorities about which you have asked yesterday to the last meeting. And since these meetings, you are all doctoral students and researchers, this is a research seminar, so I'm not going to repeat or to summarize the Almohad history or the basics of the Almohad theology. What we will do is choose a topic and focus on this topic in a little more thorough way. And what we will do today mostly is to focus on Almohad vocabulary in their theology. Now you have the texts. I'll read some of the texts as I read the lecture. But you have the text, and I assume you'll have an opportunity to discuss it afterwards and to see whether you agree, you disagree, you have questions, or whatever. So, and as yesterday, please feel free to raise your hand and give me a sign if something is unclear or if you want me to add a word. Alors, ces séminaires traiteront des Almohades depuis le début de la dynastie jusqu'à son apogée. Cela veut dire que nous allons concentrer notre effort sur le XIIe siècle, alors que la doctrine almohade plus tardive, le XIIIe siècle, et jusqu'à 1269, est sous le Hafsid. 13e siècle plus tard, nous intéressera moins. Avec les Almohades, on voit finaliser les changements d'équilibre politico-religieux entre le Maghreb et les centres orientaux de l'islam. Un développement déjà commencé, en fait, bien que de façon sous-entendue, par les Almoravides. En revendiquant le titre califal, les Almohades affirment leur légitimation et leur indépendance vis-à-vis des Abbasides de Bagdad. Ainsi, l'émancipation du Maghreb devint de ce point de vue, un fait accompli. L'émancipation politique, cependant, mais maintenant compte de son aspect religieux,
n'implique pas automatiquement un désengagement intellectuel. Les changements dans les relations intellectuelles avec l'Orient musulman sont en effet plus complexes et ne se laissent pas résumer de façon si tranchante. L'Occident musulman ne constitue pas de ce point de vue une entité homogène. On peut distinguer certains développements intellectuels particuliers à Al-Andalus, d'autres à l'Afrique du Nord. Et les mêmes phénomènes intellectuels peuvent apparaître sous des formes différentes dans ces deux régions, ou à des rythmes différents. Il semble par exemple que c'est justement sous les Almohades que l'impact de la philosophie d'Orient a pu se manifester en Al-Andalus, assez profondément pour permettre la création d'une tradition philosophique locale, alors que ce n'est pas vraiment le cas au Maghreb, Maghreb al-Aqsa ou l'Afrique du Nord. Le soufisme occidental joua un rôle différent en Al-Andalus, où il se trouva souvent sur la défense, et en Afrique du Nord. Il est possible que ce fût le fond spirituel local au Maghreb, comme le rôle traditionnel des saints autochtones, qui permit au soufisme, qui ne fut jamais à l'aise à Al-Andalus, de prospérer au Maghreb et d'atteindre à partir du XIIIe siècle une envergure qu'il n'eût jamais eue en Al-Andalus. Quand on parle, comme on le fait souvent, de la révolution almohade, cette expression ne vise pas le succès politique des almohades, ni non plus le changement dynastique en elle-même, la daoula, un phénomène normal, régulier, qui est à atteindre périodiquement. Ce terme daoula, qui vient de l'astronomie, est utilisé dans la politique, surtout chez les Fatimides, pour décrire le changement de dynastie, que c'est le rôle, une dynastie monte, une autre descend, c'est la daoula. Alors, quand on parle de la révolution almohade, on ne parle pas de ces changements politiques, et sûrement pas de la thaoura, ce qui est une expression, un terme moderne. En désignant les almohades comme révolutionnaires, on entend par là, d'habitude, leur approche nouvelle à d'importantes questions théologiques et juridiques, telles que le sens du tawhid ou encore l'autorité relative des diverses fondations de la loi, usul al-fiqh. Même quand on parle d'une révolution dans les rapports de force et d'autorité entre Orient et Occident, c'est l'aspect théologique ou même théologique de ces rapports que l'on vise. C'est sur cette évolution théologique que nous allons nous attarder aujourd'hui. Nous essayerons surtout de comprendre la doctrine almohade elle-même, mais nous aurons aussi quelques occasions de revoir de façon critique les conventions de la recherche moderne sur les sources multiples de la pensée almohade. Et on a eu l'occasion de s'y référer pendant les questions hier. Commençons par le principe du tawhid qui a donné aux almohades leur nom. Les sources favorables ainsi que défavorables aux almohades présentent l'insistance sur ce sujet comme un rejet de l'anthropomorphisme almoravide, rejet ayant marqué les almohades dès les premières prédications d'Ibn Tumart, c'est-à-dire dès 1120. Ainsi, Ibn Abizar, une source mérinide et plutôt hostile, nous raconte dans son Raud al-Kirtas que, je cite,
Immédiatement après la disputation qu'Ibn Tumart tint à la cour almoravide, il commença à critiquer les almoravides en disant « Ce sont des infidèles anthropomorphistes. Quiconque sait que Dieu est un a le devoir de se joindre à des sorties militaires contre eux. Ce devoir s'impose encore plus que celui de se joindre aux sorties militaires contre les chrétiens et les zoroastriens. » وَأَخَذَ يَتْعَنُوا عَلَى الْمُرَابِتِينَ وَيَقُولُ هُمْ كَفَرَ مُجَسِّمُونَ وَغَزْوُهُمْ وَاجِبٌ عَلَى كُلْ مَنْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاحِدٌ فِي مُلْكِهِ أَوْجَبُوا مِنْ غَزْوِ الرُّومِ وَالْمَجُوسِ. Ou encore, la même source, il traita les Almoravides d'anthropomorphistes et d'infidèles et permit à ses partisans de mener les djihads contre eux. وَنَسَبَ الْمُرَابِتِينَ إِلَى التَّجَسُّمْ وَالْكُفْرِ وَأَبَاحَ لَهُمْ جِهَادَهُمْ. En revanche, d'autres textes suggèrent que l'emploi de ces théologoumènes comme cri de guerre almohade ou leur image de marque, pour ainsi dire, en tant que monothéistes en opposition aux Almoravides, et j'insiste, en opposition aux Almoravides, ne figurait pas à leur début. Et ce texte conserve certaines indications sur une évolution du concept. Ainsi, c'est toujours Raudel Kirtas qui raconte que cet Atinmal, après avoir reçu le serment d'allégeance, le Baya, que Ibn Tumart nomma tous ceux qui avaient accepté de lui obéir, qui avaient prêté serment sur lui et l'avaient suivi sur son chemin, Tariqa, il les nomma Mouahidin. Et il leur enseigna le Tawhid en langue berbère, en y signalant pour eux des groupes de 10 lignes, des sections et des chapitres, et leur dit « Qui n'apprend pas le Tawhid par cœur n'est pas un croyant. » Ce Tawhid est devenu ainsi chez les tribus de Masmouda équivalent au noble Coran. Alors je lis le texte. « Wasamma kul man dakhala fi ta'atihi wa bayahu وتبعه على طريقاته بالموحدين وعلمهم التوحيد باللسان البربري وجعل لهم فيه الأعشار والأحزاب والسور وقال لهم من لا يحفظ هذا التوحيد فليس بمؤمن فصار هذا التوحيد عند قبائل المصامدة كالقرآن العزيز. Now, il faut dire, c'est Ibn Abizar qui est plutôt une source hostile. Mais c'est une information intéressante. Comme on le voit, le tawhid ne signifie ici pas le principe du monothéisme, mais plutôt le texte en langue berbère affichant ce principe, et dont la rétention par cœur devient la marque de la foi. Cette interprétation est confirmée plus bas quand l'auteur nous dit qu'Ibn Tumart leur enseigna un tawhid dans leur langue parce qu'ils étaient l'un d'eux. Ce tawhid se trouve chez eux jusqu'à maintenant. وَعَلَّمَهُمْ تَوْحِيدًا بِاللُّغَاتِهِمْ فإنه كان رجل منهم والتوحيد بأيديهم إلى الآن. Qu'il soit hostile ou favorable aux Almohades, la façon dont il utilise le terme tawhid montre qu'il parle d'un texte, d'un texte dans lequel le principe de tawhid est inclus. Ces fines nuances s'ajoutent à ce qu'on sait par ailleurs, qu'il y eut des fluctuations dans la politique religieuse des Almohades. Ainsi, par exemple, Madeleine Fletcher,
a pu démontrer les différences entre les deux versions principales de la confession de foi almohade et suggéré que la Aqida, rédigée plus tard que la Murshida, conserve les marques de sa rédaction en Al-Andalus. Je concentrerai mon effort ici sur les traits constants de la théologie almohade, ou tout au moins sur ceux qui étaient présentés comme tels par leurs contemporains, par ses partisans aussi bien que par ses adversaires. En même temps, il nous faut reconnaître que ce qui s'applique aux almohades dans un certain contexte n'est pas nécessairement vrai dans un autre. Est-ce que c'est clair? Any questions? Un texte souvent cité quand on parle de l'émergence des almohades comme mouvement possédant une théologie distincte, pour ne pas dire idiosyncratique ou révolutionnaire, apparaît chez Ibn al-Qalan ici, et mort en 1160. Et c'est un texte que vous avez, je crois, chez vous. Celui-ci parle des almohades dans son rapport sur l'an 541-1147. Ce rapport étant le seul endroit où Ibn al-Qalan ici se réfère à l'Occident musulman. L'importance de ce texte provient du fait qu'il ne s'agit pas seulement de l'un des premiers témoignages, mais que ce texte a aussi l'intérêt d'être un témoignage de l'extérieur, montrant comment les almohades étaient vues en Orient peu après leur apparition sur la scène. Le fait qu'un témoignage soit externe ne veut pas nécessairement dire qu'il soit plus objectif que les témoignages internes. Et on en a parlé un peu hier. De plus, la distance physique entre ce témoignage et les événements qu'il décrit et le fait que son auteur ne les a pas vus de ses yeux et que son information est de seconde main doit aussi être prise en compte. Par contre, il a l'avantage de présenter la montée des almohades sous un autre angle que le leur. De plus, l'information qu'il offre est présentée en usant un langage particulier qui ne se trouve pas ailleurs. Et de ce point de vue, il présente les avantages, aussi bien que les problèmes, d'un témoignage unique. De nouveau, quelque chose dont on a parlé hier. Afin d'évaluer l'information fournie par un tel témoignage extérieur, nous devons voir comment elle s'accorde avec ce qu'on trouve dans d'autres sources. Avant de le faire, cependant, il faudra s'assurer qu'on comprend correctement ce que ce témoignage dit. Et je crois pouvoir démontrer que d'habitude, on ne comprend pas ce témoignage exactement comme il faut. Ibn al-Qalan ici parle de l'appel d'Ibn Tumart à adopter un madhhab fikr, utilisant une expression particulière qui, n'apparaissant nulle part ailleurs, pose problème pour le chercheur. Ibn al-Qalan ici répète à plusieurs reprises des variantes de cette expression. Mais à premier abord, cela ne semble pas clarifier le sens des mots. Le terme madhhab, associé étroitement avec les écoles de la loi musulmane, peut aussi être utilisé pour désigner d'autres associations autour d'une doctrine ou d'un système de pensée. Dans ce sens, il est semblable au terme tariqa, un terme qu'on a vu plus haut, un terme étroitement associé aux confréries soufies, mais qui conserve aussi le sens général de chemin spirituel ou idéologique.
Il est facile d'imaginer que les sources d'Ibn al-Qalan ici ont présenté les Almohades comme un mouvement ou un système nouveau en utilisant ce terme « madhab ». Mais le mot qui pose problème dans cette expression n'est pas « madhab », mais plutôt « fikr ». L'insistance d'Ibn al-Qalan ici dans ce passage sur le rôle de fikr chez Ibn Tumart et ses compagnons, aussi bien que son emploi du terme « madhab », a suggéré à Dominique Urvois que l'expression « madhab fikr » doit se référer au système almohade de raisonnement légal. Selon lui, je cite, « Le fikr almohade demande que l'on s'appuie sur des analogies absolument sûres. Cette rigueur inquiétera le chroniqueur orientaux qui le qualifieront d'école de la pensée, madhab al-fikr. Ainsi, tout en soulignant ce qu'il perçoit comme le contexte légal de ce terme dans le rapport d'Ibn al-Qalan ici, Urvois comprend fikr comme pensée, d'ailleurs comme on l'utilise aujourd'hui, c'est-à-dire une démarche intellectuelle optant pour la rigueur du raisonnement rationnel. Il faut peut-être regarder l'information d'Ibn al-Qalan ici d'un peu plus près. Ibn al-Qalan ici puisa cette information sur les événements au Maghreb dans des lettres envoyées en Orient par des membres de sa famille résidant en Occident, ainsi qu'un rapport dicté par le faqih Muhammad ibn Abdel Jabbar al-Sikili. Comme le note Francesco Gabrielli, ce faqih appartenait probablement à l'école malikite, hostile aux Almohades, et selon lui, selon Gabrielli, c'est à la lumière de cette hostilité qu'il faudra comprendre cette expression unique. Prenant fikr pour un synonyme du mot akl, Gabrielli proposa de voir en ce mot une référence péjorative à la place de ce dernier terme akl, dans la théologie ash'arite, qu'Ibn Tumart propageait, replaçant le traditionnalisme rigide des Almoravides et leur anthropomorphisme grossier. C'est Gabrielli qui parle, pas moi. Après examen, Gabrielli rejette la possibilité de comprendre fikra dans le sens de da'wa et répète son opinion que cette fikra se réfère en toute probabilité au contenu spécifique de la da'wa al-mohad et donc fikr égale akl, égale kalam ou même nazar. Tout ça selon Gabrielli. Dans le rapport d'Ibn al-Qalan, ici, on lit aussi, je cite, on dit qu'en arrivant à El-Mahdiya, Ibn Tumart commanda à ses partisans de construire un château pour Niyat al-Fikra, et qu'ils y adorent Dieu bil fikra. Un des grands fuqaha s'éleva alors et dit, vous allez faire ce qu'on a fait à Al-Mahdiya, un berbère masmoudi viendra et vous commandera le culte divin bil fikra. Alors le texte arabe, il leur a dit, il leur recommanda « An yabnu kasran ala niyat al-fikr wa an ya'budu Allah fihi bil-fikra wa yaji'u ilaykum rajul barbari masmudi wa ya'murukum bil-ibada bil-fikra fatujibuna ila ma amarakum. » Dans ce rapport, l'opposition indigène à Ibn Tumart fait aussi écho à cette expression particulière, «
critiquant les habitants d'El Mahdiya pour suivre aveuglément le berbère Masmoudi qui leur ordonne de célébrer le culte par Fikra. Gabrielli comprend ce texte comme faisant allusion à la pensée théologique d'Ibn Tumart. Maribel Fiero suit Gabrielli et accentue son intuition de façon significative. Notant le caractère obscur de l'expression, elle tranche néanmoins en disant « Quelle que soit notre interprétation de ces mots, ils doivent indiquer que la spéculation rationnelle y joue un rôle important. However we are to interpret those words, they must indicate that rational speculation played an important part in it. » Pour Fiero, ce ficre, qui pour Urvois indique la rigueur des analogies légales, et pour Gabrielli le rationalisme théologique du kalam, et peut-être aussi la notion de spéculation, nazar, pour Fiero, ces mots indiquent clairement la spéculation rationnelle. Il semble que pour elle, ce terme annonce déjà ce qu'elle croit être l'intérêt almohade plus tardif pour la philosophie rationnelle, intérêt pour l'existence duquel, dans une curieuse argumentation circulaire, ces mêmes mots obscurs servent de preuve clé. Ainsi, Fiero renvoie à cette expression en disant que le soutien qu'Abd al-Mu'min accorda aux philosophes montre que la philosophie et le raisonnement spéculatif figuraient parmi les développements possibles du madhhab fikr d'Ibn Tumart. Abd al-Mu'min's support of the philosophers shows that philosophy and speculative reasoning were among the possible developments of Ibn Tumart's madhhab fikr. À l'arrière-fond de ces trois explications, ainsi que de bien d'autres, se trouve la traduction de fikr comme pensée, c'est-à-dire la traduction de fikr comme on l'utilise aujourd'hui. Et la compréhension de ce mot comme désignant un caractère intellectuel associé d'une façon ou d'une autre à une tendance rationnelle. Je voudrais proposer ici une autre explication, mais avant de le faire, il nous faudra d'abord considérer une autre partie du rapport d'Ibn al-Qalani. Vous voyez, il faut aller très lentement. Quand ce dernier décrit, quand Ibn al-Qalani ici décrit le madhhab propagé par les successeurs d'Ibn Tumart, Abd al-Mu'min, envers lequel il est vraisemblablement aussi hostile qu'envers Ibn Tumart, il utilise un langage très différent sans avoir recours au mot fikr. Selon lui, Abd al-Mu'min prêcha le madhhab takfir el-zanb. La désignation du péché comme infidélité s'accorde bien avec l'image que d'autres sources donnent des premiers pas de l'opposition almohade aux almoravides. Mais elle rappelle le comportement d'Ibn Tumart comme réformateur des mœurs plus que comme celui du guerrier ou fondateur d'État qu'était Abd al-Mu'min. Ainsi, une autre source, Nazm al-Juman, par exemple, cite les Almoravides qui disent d'Ibn Tumart « C'est un homme qui traite les pécheurs d'infidèles. Hadha rajul yukaffiru nas bidhunub. » Cette même source ajoute que les Almoravides, de leur côté, appelaient les Almohades dissidents, khawarij. Sammaw ahl al-tawhid khawarij.
وجعلوهم مبتدعين ونسبوهم إلى الخروج من الدين. Le terme Khawarij, en référence aux Almohades, apparaît aussi chez Ibn al-Qalan ici, qui l'emploie sans dire explicitement de quel dissident il parle. Il semble donc que, malgré la distance qui sépare Ibn al-Qalan ici des événements, son rapport reflète assez fidèlement l'essentiel de la confrontation entre les deux camps, avec son utilisation du vocabulaire employé des deux côtés du champ de bataille idéologique. Donc, des termes comme Fikr, Khawarij et Takfir et Zunoub. Examinons d'abord la vraisemblance de l'idée qu'Ibn al-Qalan ici, ou bien le faqih, pardon, sicilien qui lui servit de source, ait pu identifier Fikr et Akl. Est-ce que c'est possible que quelqu'un en Orient ou en Sicile à cette période aurait pensé que pour Ibn Tumart ou pour les Almohades, Fikr et Akl, ou pour les Acharites, Fikr et Akl étaient la même chose ? Et qu'il ait pu croire que le théologien acharite l'identifie ainsi. L'examen rapide d'un large éventail de textes théologiques des tendances rationalistes, mu'tazilites, aussi bien que spécifiquement acharites, montre l'absence d'une telle identification. Fikr y indique le processus de pensée, contemplation, raisonnement ou réflexion. Ce processus n'est pas limité à l'examen rationnel associé avec Ra'i ou avec Akl. Le terme qu'on trouve suggéré le plus souvent comme quasi synonyme de Fikr ou qui peuvent l'expliquer sont Ta'ammul, Nadar ou I'tibar. De plus, il faut noter que l'emploi du terme « fikr » lui-même n'est pas fréquent chez les théologiens. On a du mal à concevoir comment il pouvait être considéré comme typique de la théologie acharite et emblématique de son approche rationaliste. Ceci est aussi vrai en ce qui concerne le philosophe rationaliste. Maïmonide, par exemple, définit « fikra » comme étant une des propriétés de l'être humain qui appartiennent à sa forme. Amma al-fikra fahiya min khawas al-insan at-tabi'a li-suratihi. Cette propriété, qui peut se tourner vers les choses rationnelles, élevées et sublimes, autant que vers les choses irrationnelles et viles, est distincte de l'intellect, qui est l'intellect, la forme humaine même. L'association du mot « fikr » avec la rationalité et plus précisément avec l'intellect semble être plus récente, moderne, et ne peut donc pas expliquer son emploi par Ibn al-Qalan ici comme caractérisant le « madhab d'Ibn Tumart ». Alors, on fait le tour de ce mot et on a appris jusqu'à maintenant que Fikr n'est pas pensée. Le fait que cet emploi, l'emploi d'Ibn al-Qalan ici, soit unique, rend son explication dans ce contexte difficile, si l'on cherche à comprendre le sens de Fikr comme mot isolé. Heureusement, ce mot apparaît ailleurs aussi en combinaison avec d'autres termes plus fréquents, ce qui peut nous faciliter la tâche. Un terme clé dans ce contexte est « ibada », qu'on a vu plus haut dans l'expression curieuse « al-ibada bil-fikr ». La confession de foi « akida d'Ibn Tumart » cite un hadith dans lequel le prophète,
qui envoie Muaz au Yémen lui apprend comment s'y prendre pour convertir les gens en islam et plus à l'islam et plus spécifiquement ceux qui ont un livre, c'est-à-dire juifs, chrétiens ou les gens proches de ces religions. Les instructions du prophète précisent qu'il faut le faire de façon graduelle. Je cite, « La première chose à laquelle tu dois les appeler est le culte divin, ibadat Allah. Une fois qu'ils connaissent, arafu, Dieu, tu leur enseigneras que Dieu leur commande de faire, etc., etc. » فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِبَادَةَ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهِ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهِ فَرَدَ عَلَيْهِمْ إِلَى آخِرِهِ. Mouaz est censé introduire les gens à la pratique religieuse obligatoire, telle la prière, seulement après qu'ils aient compris et accepté la ibadat Allah, identifié ici avec la connaissance, ma'rifa, de Dieu. On sait qu'Ibn Tumart s'efforçait de suivre l'exemple du prophète et de l'imiter, un fait souligné par les chercheurs qui l'ont observé dans divers aspects de sa conduite. S'adressant à un public de berbères, semi-islamisés, ne connaissant ni la langue arabe, ni le livre saint écrit en cette langue, Ibn Tumart suit l'exemple du prophète, les appelant à l'ibada bil fikr, c'est-à-dire à connaître Dieu, à reconnaître Dieu. C'est son successeur Abdelmoumin qui s'engagera dans les détails des commandements de la loi, suite à l'insistance d'Ibn Tumart sur la réforme de la conduite morale. Je cite aussi un texte d'Ibn al-Qattan. « Kana radiallahu ta'ala anhu yad'u nas ila ibadati la ta'ala wa yukhbirhum. » إن الله سبحانه فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم وفرض عليهم زكاة كل هذا بعد أن يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى. L'écho de la combinaison tumartienne de ibada et fikr se retrouve dans le guide des égarés de Maïmonide, un lieu moins improbable qu'on puisse le penser au premier abord. Ce philosophe juif a passé son adolescence en territoire almohade, vivant à l'apparence comme un musulman. Comme les almohades, et probablement sous leur influence directe, il tenait le rejet de la perception anthropomorphiste de Dieu comme un trait indispensable du monothéisme. Dans ce contexte, Maïmonide dit que le culte, ribada, le culte correct, qui inclut la connaissance que Dieu n'a pas de corps, doit être enseigné à tout homme, femme et enfant, qu'il le comprenne ou non. Ribada signifie donc pour lui, assumer la doctrine de rigueur comme fondement premier de la religion, même pour le petit-enfant. L'association de ribada avec une position mentale, et je dis mentale et pas rationaliste, apparaît encore plus clairement dans un autre passage où Maïmonide traite des commandements bibliques de sacrifices sanglants. Il est évident pour lui, pour Maïmonide, que le sacrifice sanglant représente une forme de culte primitive et fruste que l'on se serait attendu à voir dépassée et annulée dans la loi mosaïque et qui n'est pas annulée dans la loi mosaïque.
Alors Maïmonide développe ensuite sa conception de ce qu'on peut appeler la pédagogie bienfaisante, at-talatuf al-ilahi ou talatuf al-ilah. Selon lui, les Israélites, à peine sortis d'un long esclavage sous les idolâtres d'Égypte, n'étaient pas encore prêts à assumer une forme plus abstraite de culte divin. Dieu leur a ordonné de faire un pas en avant, pas tout en avant, un pas en avant, en remplaçant les sacrifices humains offerts aux idoles par des sacrifices animaux offerts à un Dieu unique. Alors, en expliquant la logique de cette talatuf al-ilah, Maïmonide s'adresse à son lecteur en disant « Demander alors une pareille chose c'eût été comme si un prophète dans ce temps-ci, c'est-à-dire nos jours, le jour de Maïmonide, en exhortant au culte de Dieu, venait nous dire « Dieu vous défend de lui adresser des prières, de jeûner et d'invoquer son secours dans le malheur. Mais votre ibada sera par fikr, sans aucune pratique. Innama takunu ibadatukum fikra duna amal aslan. » Cette ibada par fikr fait écho aux paroles d'Ibn al-Qalanisi, et son emploi chez un philosophe pourrait paraître, à premier abord, comme corroborant l'interprétation offerte par Gabriel Fiero, associant fikr avec la pensée rationaliste, rationnelle, ash'arite ou philosophique. Mais en observant la position philosophique de plus près, on découvre la différence entre le culte mental des Almohades, al-ibad bil-fikr, et le culte intellectuel des philosophes, une forme élevée de culte que ce dernier appelle toujours, sans exception, ibada akliya. Et ce terme se trouve pas seulement chez Maïmonide, on le trouve beaucoup, souvent chez Avicenne. Le philosophe, quand il parle de quelque chose d'intellectuel, il utilise le mot akl, jamais fikr. Fikr n'est donc pas synonyme à akl, ni chez le théologien ou le philosophe, ni dans le texte citant Ibn Tumart. Nous pouvons ainsi conclure que la spéculation rationnelle ne faisait pas partie de ce que Ibn al-Qalan ici perçoit comme le système, le madhab d'Ibn Tumart ou de ses successeurs. Ce fikr n'appartient pas au champ sémantique de la méthodologie rationnelle des théologiens et encore moins à celle des philosophes. Son association avec Ibada ou Ibada bilniya montre que fikr vise ici le cadre théorique à la base du tawhid propagé par Ibn Tumart comme ce dernier le comprenait. L'insistance sur le principe du tawhid apparaît donc avoir été présente dans la compréhension almohade du culte dès les débuts de la mission almohade. Alors, pour dire autrement, tawhid et l'insistance sur le tawhid étaient chez les almohades présents dans leur doctrine dès les débuts, comme c'était dans l'islam dès les débuts. Mais ça ne veut pas dire quelque chose de rationnel. Merci beaucoup. Ça ne veut pas nécessairement dire une tournure d'esprit rationaliste. Il est aussi probable...
j'apprécie. Il est aussi probable que l'étanzie ou refus de l'anthropomorphisme, tajsim, faisait partie intégrale de cette compréhension initiale propagée par les Almohades. Dans ce sens, on peut effectivement voir là l'influence du kalam ash'arite ou mu'tazilite. L'usage de ces principes comme arme privilégiée contre les Amoravides ou les oulémas malikites a été peut-être, je souligne peut-être, une évolution un peu plus tardive. Ce qui est certain, c'est que cet usage initial du tawhid ne vise pas le rationalisme du kalam et à plus forte raison celui des philosophes. Ou pour le formuler autrement, l'insistance sur le principe du tawhid chez les Almohades prédate son association systématique avec le rationalisme du kalam ash'arite, tandis qu'avec le rationalisme des philosophes, elle n'a jamais été associée, et de ça on aura encore l'occasion de parler demain. Ce que nous venons de voir sur le terme fikr n'est pas le seul cas où des mots que nous connaissons d'autres contextes prennent chez les Almohades une signification particulière. On peut parfois expliquer ce fait comme résultant de l'usage local particulier au Maghreb. Ceci est le cas, par exemple, pour le terme sharia, qu'on trouve dans Nazm al-Juman comme un terme dénotant un local dans la mosquée, et qu'on trouve dans le dictionnaire comme désignant un local dans les mosquées. Mais quoi que soit l'explication, ces cas où les Almohades utilisent un terme qui nous est connu d'une façon un peu différente, nous mettent sur notre garde et nous montrent qu'en lisant les textes almohades, il faut rester vigilant aux particularités de leur vocabulaire. Des questions jusqu'ici? Alors, fikr, c'était le centre de mon exposé aujourd'hui, mais je voudrais donner aussi un autre exemple. C'est aussi le cas de namous, un terme qui, dans les textes philosophiques et théologiques en arabe, traduit en général le nomos grec, faisant référence à un système légal, en particulier un système légal humain, en le distinguant d'une charia, qui est la loi divine qu'on connaît par la révélation. Dans les textes relatifs à Ibn Tumart, par contre, ce mot, namous, apparaît dans un contexte où il s'accorde difficilement avec cet usage philosophique. Excusez-moi. Ibn Abi Zara l'utilise à plusieurs reprises, par exemple quand il dit qu'Ibn Tumart avait un grand namous. Kanalahu namus azim. Si le sens du mot dans cette phrase peut sembler obscur, on le trouve aussi ailleurs, accompagné d'autres termes, par exemple quand la même source, on se souvient toujours que c'est une source hostile, mais la façon dont il utilise le mot ne reflète pas nécessairement l'hostilité. Alors, on trouve le mot accompagné d'autres termes, par exemple, quand on nous dit que Mohammed, nommé El Mahdi, le fondateur de l'État des Almohades, avait du savoir-faire politique, il était trompeur et rusé et il avait un grand namous. Kana Mohammed, al-Musamma bil Mahdi, القائم بدولة الموحدين
ذا سياسة ودهاء ومكر وناموس عظيم. Le sens de namus ici semble donc être proche du sens de pouvoir qu'on trouve aussi dans les dictionnaires. L'association de ce namus avec siyasa, daha et makr nous permet de tracer le champ sémantique dans lequel ce mot s'insère pour Ibn Abizar et qui souligne l'astuce politique d'Ibn Tumart. Ibn Abizar emploie siyasa et aussi hila, aussi quand il raconte les stratagèmes mnémotechniques inventés par Ibn Tumart pour faciliter la mémorisation du Coran en arabe par ses partisans berbères. Je cite. Il, Ibn Tumart, n'arriva pas à apprendre le texte du Coran aux gens appartenant au groupe de Masmouda, parce que ceux-ci connaissaient très mal l'arabe. Alors, il aborda le texte du Coran comme mots séparés et appela chaque homme par un mot différent. Ensuite, il les rangea en ligne en les disant, et il dit au premier, « Ton nom est louange à Dieu. » Au deuxième, Seigneur. Au troisième, des univers. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la sourate. Puis il leur dit, Dieu n'acceptera pas vos prières tant que vous n'arrivez pas à joindre tous ces noms dans chaque raka'a de la prière. Ainsi apprirent-ils par cœur le texte du Coran. Le texte arabe. ومن حيلته وسياساته أنه لم يقدر على طائفة المصامدة أن يتعلموا أم القرآن لشدة عجمتهم فعدد كلمات أم القرآن وسمى بكل كلمة منها رجلا ثم أقعدهم صفا واحدا فقال للأول منهم اسمك الحمد لله الثاني رب الثالث العالمين هكذا حتى تمت كلمات السورة ثم قال لهم لا يقبل الله لكم صلاة حتى تجمعوا هذه الأسماء كلها على نسقها في كل ركعة من الصلاة فسهل عليهم الأمر فَحَفِذُوا أُمِّ الْقُرْآنِ. Et l'importance, c'est pas... il cite une source plus antique, il cite Sahib al-Mutri fi Muluk al-Maghrib. On nous doit donc, et je ne dis pas si l'histoire est vraie ou non, mais c'est une belle histoire. On voit donc que l'astuce attribuée à Ibn Tumart n'est pas toujours négative. Mais quand elle est associée à Daha et Makr, elle sert Ibn Abizar à peindre l'image négative d'Ibn Tumart. Ainsi, il nous raconte qu'Ibn Tumart est dit avoir enterré un homme vivant puis qu'il le fit sortir du tombeau à temps pour le présenter comme un ressuscité pouvant témoigner des plaisirs du paradis, démontrant en même temps son pouvoir à lui, à Ibn Tumart, à ressusciter les morts. Après l'avoir exploité ici, il le tua. Ibn Abizar cite cette anecdote comme preuve de l'imagination inventive Hila d'Ibn Tumart, de sa tromperie et de la facilité avec laquelle il versait le sang. Tachayulihi wa tahawunihi tahawunihi bisafke dima. Comme on l'a déjà dit, en tant que témoignage sur les événements historiques, une telle source hostile est à lire avec un certain scepticisme.
pas moins qu'il faut le faire en lisant les sources élogieuses de la plume des partisans des Almohades. Mais il est intéressant de noter les moyens employés par les auteurs pour transmettre leurs opinions au lecteur. Ibn Abizar, qui ne mâche pas ses mots d'habitude, utilise aussi des moyens moins explicites. Des anecdotes semblables à cette anecdote d'un homme qu'il enterre, etc. C'est des anecdotes semblables à celles qu'il raconte apparaissent dans les écrits appartenant au genre littéraire des preuves de la prophétie, d'Ala il Nubuwa. C'est tout un genre. Dans les écrits de ce genre, littéraire, de telles anecdotes servent à montrer la conduite cynique des imposteurs qui, exploitant la crédulité de la foule ignorante, mettent en scène des faux prodiges, maharik, pour gagner du pouvoir mondain, contrairement au miracle véridique, al-mu'jizat, créé par Dieu et exécuté par les prophètes comme preuve de leur mission. S'appuyant sur la familiarité de ses lecteurs avec ce genre littéraire très répandu, Ibn Abizar introduit ces anecdotes pour les convaincre qu'Ibn Tumart n'était rien qu'un manipulateur rusé et un imposteur. Mais il le dit pas. Il utilise le genre. Il sait que les gens qui lisent ce qu'il écrit connaissent le genre littéraire de Dala il Nubuwa. C'est probable. Et il peut jouer sur ce genre sans le dire explicitement. Alors, je crois qu'on a eu assez d'exemples pour voir que les textes almohades, même les textes déjà travaillés et recherchés, il faut les lire de nouveau dans leur contexte, mais aussi avec comparaison à d'autres textes qui viennent peut-être d'un milieu un peu plus lointain. Et peut-être comme ça, on peut faire des petits pas pour comprendre l'évolution de la pensée almohade. Je vous remercie. Je ne sais pas si on a un peu le temps de discussion. Eh bien, si vous voulez, s'il y a des questions, a priori, avant d'aller dans le travail de groupe, elles seraient...